السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، مستوى الثالث ابتدائي. أقدم لكم بعض الأنشطة حول موضوع لاغ أومو كايد أكتيفيتي خاص بالنسبة للمستوى الثالث ابتدائي. لاغ أومو خاص بالنسبة للمستوى الثالث ابتدائي. إذا هناك فيديوهات حصرية سوف يكون حول أو تتعلق حول صحيح الأنشطة الخاصة بالفوكابولار وغرامير أورتوغراف كونجيكيزون وكذلك سوتيان أبروفونديسمون إي فارياسيون. إذا الغاية من هذه الفيديوهات هو تبسيط التلاميذ اللغة الفرنسية خصوصا التلاميذ مستوى ثالث ابتدائي. إذا هيا بنا نتعرف على فيديو هذا اليوم ونبدأ في تصحيح بعض التمارين حول هذا النشاط الخاص بالغرامير. إذا في هذا الفيديو سوف نقوم بتصحيح التمارين صفحة 16. La première s'il vous plaît votre cahier d'activité page 16 et essayez de bien comprendre. On a donc les différents types de phrases. Alors il s'agit d'une phrase déclarative, interrogative, exclamative, impérative. Premier exercice, c'est vraiment simple. Je lis les phrases et indique à quel type elles appartiennent. Je lis les phrases et après j'indique à quel type elles appartiennent. Est-ce que c'est déclaratif ou interrogatif, exclamatif ou impératif? Par exemple, te brosses-tu les dents après chaque repas? Te brosses-tu les dents après chaque repas? Alors c'est une phrase interrogative. Parce que si c'est une question, je ne dors pas assez longtemps, c'est une phrase simple, c'est une phrase déclarative. Comme tes mains sont sales, c'est une phrase exclamation, parce qu'on s'exclame, on dit oh, quand tes mains sont sales. En même temps, il se termine par un point d'exclamation. Évite de salir ton pantalon, oui, il se termine par un point d'exclamation, mais c'est une phrase impérative. Pourquoi? Parce qu'il commence par un verbe à l'impératif. C'est le verbe éviter à l'impératif. Alors, te brosses-tu les dents après chaque repas? C'est une phrase interrogative. Je ne dors pas assez longtemps, c'est une phrase, déclarative. Quand tes mains sont sales, oui, c'est une phrase, exclamative. Évite de salir ton pantalon, c'est une phrase, impérative. Très bien. Alors, je mets la ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. Est-ce que c'est point ou point d'exclamation ou point d'interrogation? Par exemple, quel dentifrice achètes-tu? Alors, c'est une question, et il vaut mieux de mettre point d'interrogation. Te fais-tu du sport régulièrement? C'est un point. Dormez-vous suffisamment? C'est point d'exclamation. Même, je commence par un verbe à l'impératif. Rince-toi les mains? C'est une phrase impérative. Soit on termine par un point ou point d'exclamation. On a donc le choix. C'est la même chose que dormez-vous suffisamment. On a soit un point d'exclamation. Alors, donc, on a donc le choix entre ces deux. Mon père veut m'inscrire à un club de sport, je dois mettre un point, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est des phrases déclaratives, alors il se termine par un point. Ici, il se termine par un point d'interrogation, c'est une chose obligatoire. Tu fais du sport régulièrement, un point normalement. Dormez-vous suffisamment, on a donc deux choix, soit un point, soit un point d'exclamation, parce que c'est une phrase impérative, la même chose pour rince-toi les mains, point ou point d'exclamation. Alors, remets les mots dans l'ordre pour écrire les phrases complètes avec le point qui convient. On a donc deux consignes. Il faut remettre les mots dans l'ordre pour écrire les phrases. C'est un peu difficile pour la plupart des élèves et complète avec le point qui convient. On sait déjà que point veut dire soit déclaratif ou impératif. Ça veut dire la phrase commence par un verbe. Et ici, donc, on a deux choix, soit exclamatif ou impératif. Et ici, c'est obligatoire, c'est une phrase interrogative sous forme de question. Abîmer que cette table est. On dit tout simplement que. Voilà. Que cette table est abîmée. Que cette table est abîmée. Pourquoi on a donc ce choix? Parce que c'est une phrase exclamative. On s'exclame. On part que. Que cette table est abîmée. Que cette table est abîmée. Ton cartable, dont ranges-tu livre de thé? On dit tout simplement tu ranges. Voilà. Tu plus verbe. Tu ranges ton. Tu ranges
tes livres dans ton cartable. Tu ranges tes livres dans ton cartable. As-tu quel tu? Dis quel âge as-tu? C'est point d'interrogation. Mais un point d'interrogation. Où colis ce tu portes? Où tu portes ce colis? Où tu portes ce colis? Où portes-tu ce colis? Soit on dit où portes-tu ce colis? Où tu portes ce colis? Mais il vaut mieux de mettre où portes-tu ce colis? Où portes-tu ce colis? Alors, ici, que cette table est abîmée. Je vais mettre point d'exclamation. Ici, et regardez bien. On dit tu ranges tes livres dans ton cartable. Je dois mettre un point. As-tu quel âge as-tu? Je dois mettre point d'interrogation. Où colis-tu tu portes? On dit où portes-tu ce colis? Je dois mettre bien sûr un point d'interrogation. Alors, c'est tout pour le moment. Ah, il y a d'autres activités. Allez-y, on continue. Complète le tableau comme dans l'exemple. Alors, vous avez ici trois types de phrases. Normalement, il y a quatre. Il y a phrase déclarative, phrase d'interrogative, phrase impérative et le reste, phrase exclamative. C'est pas la peine. Alors, regardez s'il vous plaît ici et complétez tout d'abord comme dans l'exemple. Alors, on a tu ranges tes habits, ranges-tu tes habits, ranges tes habits. Alors, on a mais phrase, mais exprimée de trois façons différentes. Par exemple, ici avec à l'aide d'une phrase déclarative, ici une phrase interrogative, ici une phrase impérative, mais ils sont les mêmes des mots. Alors, allons au cinéma, on dit nous allons au cinéma, nous allons au cinéma, nous allons au cinéma, ici une phrase déclarative, allons-nous au cinéma, allons-nous au cinéma, allons-nous au cinéma, c'est une phrase interrogative. Prends-tu ton sac? On dit tu prends ton sac. Ou prends ton sac. Alors, prends ton sac, c'est une phrase impérative. Tu prends ton sac, c'est une phrase déclarative. Prends-tu ton sac, c'est une phrase interrogative. Alors, complète et écris deux phrases exclamatives de ton choix, deux phrases interrogatives de ton choix. N'oublie pas que quel et comme expriment surtout des phrases exclamatives. Et pourquoi comment, ce sont des mots interrogatifs. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Chers élèves, on a bien compris les différents types de phrases, on a bien répondu à la première question. La même chose pour les autres activités aussi. Si vous avez bien sûr des remarques, vous n'avez pas compris bien sûr cette leçon, vous pouvez ouvrir votre manuel, page 35. Il y a le cours de les différents types de phrases, page 35. L'arbre mot et 52, oui, 52, ce que je dois savoir, ce sont des petites règles qu'il faut maîtriser. Voilà, c'est tout pour le moment. À très bientôt.